Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo mensuelle. Aujourd'hui, malheureusement, on va être avec mes co-présentatrices de cette émission en distanciel parce qu'on n'a pas pu se voir. Ça va rien changer à la structure de cette émission. Il y aura comme d'habitude la pensée du mois et la chanson du mois. D'ailleurs, j'ai reçu des retours de votre part concernant les sujets. Je sais que parmi vous, il y en a qui aimeraient nous suggérer des sujets qu'on traite ici. N'hésitez pas en commentaire à laisser le sujet que vous aimeriez qu'on traite. Vous pouvez aussi m'envoyer vos sujets sur ce mail qui s'affiche juste ici ou alors en message Instagram. Voilà. Aujourd'hui dans Mensuel, on va traiter d'un sujet qui est l'inquiétude. L'incertitude. J'ai un petit témoignage qui me vient, c'est que voilà, jeune diplômée et tout, j'ai un poste qui est désiré par plusieurs personnes. Je suis inquiète parce que je me dis, bon, je débute et j'ai déjà un poste pas mal. Il faut que je montre de quoi je suis capable, il faut que je gère, est-ce que je suis à la hauteur? Alors du coup, je m'inquiète. J'ai la boule au ventre le premier jour, j'ose pas trop donner mes idées. J'ai l'impression d'être un peu dans le viseur. Au début. Et du coup, j'ai cette boule au ventre et je me dis, je vais arrêter. Finalement, les jours passent et tout, et je me rends compte qu'en fait, on s'entend bien et je gère, grâce à Dieu. Et du coup, là, l'inquiétude allait être pour moi, à ce moment-là, pénalisant parce que j'allais louper cette super belle année que j'ai fait dans cette entreprise avec des collègues géniaux. Deuxième témoignage où, là encore, c'est un moment où je m'inquiète, voilà. Financièrement, c'est chaud. Je regarde les comptes. Ah, c'est très chaud. On est vraiment... Les dépenses, c'est au centime près, tu vois. C'est compliqué. Et du coup, je suis inquiète de ne pas pouvoir payer le loyer. Du coup, ce que je fais, c'est que je priorise les choses afin d'être certaine que je puisse payer mon loyer. Donc là, cette fois-ci, cette inquiétude a été positive. Parce qu'on a pu payer le loyer. Mais du coup, s'inquiéter, c'est normal. Et est-ce que c'est tout le temps mauvais? J'ai mon petit ordinateur juste ici. Et on va écouter Stéphanie nous parler justement de ce sujet qui est important, donc l'inquiétude. Stéphanie, on t'écoute. Bonjour, comme tu l'as remarqué, c'est un nouveau décor, mais cela n'empêche rien du tout. Alors aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est l'inquiétude. Je pense que s'inquiéter n'est pas toujours mauvais. Je pense qu'on a le droit de s'inquiéter. Et c'est tout à fait normal de s'inquiéter. Ce qui est mauvais, c'est de rester dans l'inquiétude. Ce qui est mauvais, c'est de nourrir cette inquiétude. Parce qu'à s'inquiéter tous les jours fait que nous ne faisons pas certaines choses parce qu'on a peur de l'incertitude de cette chose, en fait. Et si on laisse Dieu nous guider, je pense qu'il faut que nous apprenions à laisser la place à Dieu, que nous apprenions à tout remettre à Dieu. Et en gros, c'est qu'il ne faut pas que l'incertitude des événements à venir ou de certaines situations fait que ça coule notre paix et qu'on commence à vivre dans quelque chose où je ne le fais pas parce que j'ai peur. Alors, j'avais noté quelques versets que tu pourras lire. Psaume 121, verset 7. Proverbe 18, verset 10. Jérémie 33, verset 3. Jérémie 29, verset 11. Jean 14, verset 27. Jérémie 31, verset 3. Ce sont tous des versets qui te feront du bien. Sois béni. Merci Stéphanie du coup pour la pensée du mois. On va écouter Annick qui va nous apporter la chanson du mois. Et on se donne rendez-vous le premier samedi du mois de mai pour un épisode de Mensuel où nous serons toutes les trois réunis. Bye bye. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Si les mers se déchaînent, tu parles, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle.
Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les Je ne crains aucun mal, tu es au...